Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit nail art à l'acrylique. Donc on va voir si j'ai pas perdu la main. Déjà, ça serait bien. Alors je sais pas si c'est bien cadré puisque je filme avec mon appareil photo pour une fois. Donc bien étaler l'acrylique. Je le fais en transparent parce que comme c'est l'été, c'est plus sympa de mettre des petites fleurs. Donc j'en mets une couche. Faire le bombé. Donc du coup la capsule se voit à peine. J'ai un peu perdu la main, je dois avouer. Je vais pas aussi vite que d'habitude. Alors j'ai choisi des petites fleurs assez sympas. Voilà, une petite fleur là. Utiliser ça pour la ramollir. On va essayer de la placer comme je veux. Voilà. Du coup, il faut rajouter de l'acrylique par-dessus. Sans la faire bouger de préférence. Voilà. C'est un petit peu déplacé, mais c'est pas grave. On va bien la protéger. Pas qu'elle s'en aille. Du coup, bien refaire l'angle. Voilà. On va essayer de faire un doigt. Je vais pas faire beaucoup de doigts pour pas faire une vidéo trop longue. Donc j'y vais à l'habitude. Hein. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait les ongles. Ça doit se voir. Une goutte qui est tombée. On va faire un bombé. Comme je disais dans la dernière vidéo où il y a tant de vues, je ne suis pas gauchère, c'est pour ça que je vous fais la main droite, enfin la main gauche plutôt. On va aller prendre une fleur rouge si j'y arrive. Je ne veux pas de la bleue. Là. Si j'y arrive. Voilà. Et du coup, j'ai perdu la rouge.
Bon. On va prendre celle-là. Voilà. On va lui poser de l'acrylique. Enlever le superflu. Remettre de l'acrylique qu'elle tienne bien. Voilà. Mais écoutez, vu que la vidéo se passe assez rapidement. Il y a un problème de pinceau. Ça y est. Je sais pas où j'ai perdu la fleur rouge. On va mettre. Alors j'ai eu 3 pouces en bas pour ma vidéo de qui a 1676 vues. Je ne comprends pas pourquoi, puisque j'ai signalé au début de la vidéo que je n'étais pas gauchère. Je suis ambidextre. Et donc c'est plus difficile pour moi de travailler sur la main droite. Alors, si ça ne leur a pas plu, je ne comprends pas. On leur fait des dégradés. On peut leur faire tout un tas de choses. Ça ne convient pas. Je mets quelques petites paillettes autour. Voilà. Je vais venir poser la fleur bleue. Je l'ai mis au même endroit parce que ça me plaît bien. On lui met de l'acrylique. Voilà. Petit peu de paillettes. C'est vraiment léger. Après, il va falloir que je me réhabitue à porter des faux ongles aussi longs. Encore un petit problème de pinceau. Voilà. On va faire. S'appliquant. Donc je préfère faire ça à l'acrylique. Ça durcit l'ongle. C'est beaucoup plus résistant que le gel. Faire le bombé parce que là il n'y est pas du tout. Voilà.
prendre une petite fleur verte. J'en profite, j'ai toutes les couleurs. Ah, c'est le pinceau. Et donc la démarcation du faux ongle se voit à peine. On va faire venir le petit Didi. Il se met parfaitement, lui. Une petite fleur orange. Ah ben non, ah bah si. Pourquoi pas? Elle est à l'envers. Faut qu'elle se détende. Se détendre.